Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cours de français présenté par M. Ranem. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 septembre 2019. Programme de 5e année primaire. Livre de lecture de français 2e génération, page 28. Page 28. Le complément d'objet indirect. 5. Lis le dialogue pour répondre aux questions. Yassine, tu te souviens de nos vacances à Timimoun? Massinissa, regarde, j'ai déjà une photo surprise. Yassine, à qui donnes-tu la photo surprise? Massinissa, je donne la photo à ma mère. Elle adore le désert. Question. Première question. De quoi se souvient Massinissa? La réponse. Massinissa se souvient de ses vacances à Timimoun. Deuxième question. À qui donne-t-il la photo surprise? La réponse. Il donne la photo surprise à sa mère. Recopie les phrases, puis souligne le complément d'objet indirect. Elle pense à ses vacances d'été. Elle pense à quoi? À ses vacances d'été. À ses vacances d'été, complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, je pose la question à qui? À quoi? De qui? De quoi? Exemple. Il pense à ses amis. Il pense à quoi? À ses amis. À ses amis, complément d'objet indirect. Il a besoin de crayons de couleur. Je pose la question. Il a besoin de quoi? Il a besoin de crayons de couleur. De crayons de couleur, complément d'objet indirect. Il parle de son ami. Il parle de qui? Il parle de son ami. De son ami, complément d'objet indirect. Il demande la clé à sa sœur. Il demande la clé à qui? À sa sœur, complément d'objet indirect. 6. Lis le dialogue avec ton camarade, puis réponds aux questions. Zakaria, maman, tu peux m'aider à trouver mon sac à dos, s'il te plaît. Maman, cherche ton sac à dos dans le grand placard. Zakaria, non, je ne trouve rien. Maman, tu oublies souvent tes affaires à l'école. Zakaria, non maman, je n'oublie jamais mes affaires. Première question. Que cherche Zakaria? Zakaria cherche son sac à dos. Je répète la question. Que cherche Zakaria? Zakaria cherche son sac à dos. Le trouve-t-il? Le trouve-t-il? Trouve-t-il son sac à dos? La réponse, non, je ne trouve rien. Est-ce qu'il oublie ses affaires à l'école? Est-ce qu'il oublie ses affaires à l'école? La réponse, non, maman, je n'oublie jamais mes affaires. 7. Complète les phrases négatives par ne jamais, ne rien. Tu veux une banane au dessert? Non, merci, je ne veux rien. Une phrase négative. Non, merci, je ne veux rien. Je ne jette jamais les déchets par terre. Ne jamais, une phrase négative. Exemple de la phrase négative. Je ne jette jamais les papiers par terre.
faire. Avec ta, ton camarade, écris ce que tu ne fais jamais en classe. Exemple, je ne jette jamais des papiers par terre. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.